Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suppose que vous avez deviné pourquoi je suis là. Vous avez deviné, vous avez forcément deviné pourquoi je suis assise là. Donc, je vous avais dit que je devais relever celui-ci, donc je suis de retour en fait pour ça. Je vais relever ce défi, me maquiller en 5 minutes chrono. Donc, voilà, c'est la vidéo d'aujourd'hui. On va tout kill, on va tout massacrer. Aujourd'hui, je me donne à fond. Et je stresse encore comme la dernière fois, mais je ne vais pas commettre l'erreur de la dernière fois. Donc, je vous laisse déjà vous enjailler sur mon intro. Bisous les filles, à dans quelques secondes. Donc, je ne vais pas forcément respecter les étapes habituelles, c'est-à-dire sourcils, ensuite anti-cernes, etc., etc. Je vais plus travailler mon teint déjà. Je vous dis en fait ce que je vais faire pour que vous ne soyez pas embrouillés, pour que vous ne vous dites pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire celle-là. Donc, je vais débuter par le teint, les sourcils. Ensuite, on verra ce qu'on pourra faire avec le nombre de minutes qui restera. Alors, je crois que c'est comme ça que je me maquillais il y a très, très, très longtemps. C'est vous dire à quel point je me suis préparée pour la vidéo parce que j'ai dû me rappeler de comment je faisais à l'époque quand j'étais étudiante, quand je travaillais un délire comme ça. Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que là, on va se donner à fond, les filles. Je prends ça trop au sérieux. Bref, donc on va démarrer et silence radio. En fait, les filles, je vais vous dire un truc. Je viens de faire une grosse bêtise. Je sais pas si vous avez remarqué, là, je suis maquillée. En fait, j'ai lancé la vidéo, je me suis maquillée. En fait, j'ai pas lancé la vidéo, c'est ça le truc. J'ai pas lancé la vidéo, je me suis maquillée. J'ai pu relever le défi, mais j'ai rien filmé. J'ai rien filmé. Putain. Je tenais tellement à le faire, je vous jure. Et je tiens tellement à le faire que je vais me démaquiller et je vais me remaquiller. Je vais essayer de refaire le même make-up, je vais ranger les choses. Et je vais refaire cette vidéo. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce défi compte pour moi, les filles. Regardez le make-up que j'ai pu faire. J'ai mis mon highlighter ici, il est mal mis, mais ici ça va quand même, je crois. Au nez, je l'ai mis au lait. J'ai relevé le défi, les filles. Bon, c'est pas grave. Je me démaquille devant vous. Je vais nettoyer mon visage bien, bien, bien tranquillou. Et je vais me remaquiller. Ça arrive. Je sais pas si c'est le stress qui a causé cela, je sais vraiment pas, ça m'énerve. Parce que j'avais vraiment relevé le défi en fait, les filles. Je l'avais vraiment relevé. Donc je vais prendre une lingette. Ensuite, je vais mettre mon eau micellaire. Vous voyez, je m'étais vraiment maquillée, sérieux quoi. Et ensuite, je vais mettre mon eau micellaire de chez Kikon. On va laver le visage et tout. Et après, je vous reviens donc à dans quelques secondes. Donc là, j'ai nettoyé mon visage. J'ai la chance d'avoir un visage unifié et des lèvres un peu roses ces temps-ci. C'est juste trop le pied, quoi. Avoir un visage comme ça, pouvoir sortir en fait sans se maquiller. Ça, c'est le sommet, quoi. Avoir un visage comme ça, les filles, c'est le sommet. Qu'est-ce que je fais? Ben, je fais rien, je frotte rien, quasiment rien à mon visage. Bref, comme je vous ai dit, j'ai tiens à relever ce défi. Donc, là, j'ai lancé la vidéo. Donc voilà. C'est reparti. Donc voilà. Les 5 minutes sont là. Je vais lancer le chrono. Mais d'abord, je vais allumer le ventilo parce qu'il fait un peu chaud. Je ne vais pas transpirer. Donc désolé pour le bruit que vous allez entendre pendant quelques secondes. Voilà. Donc. Dès que je lance, en fait, je ne vais même pas parler. Je vous explique brièvement ce que je vais faire. C'est un cils lèvres, je crois, et après tout le tralala. Donc, bisous les filles. On y va. Go.
Donc, voilà. Donc, voilà les filles. Bon, l'highlight, c'est pas trop ça ici. J'ai pu mettre mon blush, regardez. Le blush, il est là. Mon highlight ici, amazing. Au nez, vous voyez? Le blush. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais sinon, j'ai quand même pu relever le défi. Voilà. Je me suis préparée. On va dire, je me suis pas préparée parce que les affaires, en fait, étaient rangées là. J'ai pas envie de vous montrer ma coiffeuse, si vous dire à quel point. Je vais juste vous montrer les boîtes dans lesquelles je range certaines affaires. Voilà, ce sont des petites boîtes comme ça, achetées à tout à 1000 francs. Donc, c'est vous dire que vraiment, les choses sont devant ma coiffeuse et je les prends juste. Donc, j'ouvre à chaque fois les petits tiroirs pour me maquiller. Je ne me suis pas préparée au point de placer les choses, en fait, correctement pour me faciliter la tâche. J'ai tout rangé à nouveau et ensuite je me suis remarquée. Donc cette technique de make-up, je la faisais il y a des années, il y a peut-être 4 ans comme ça, je crois. Voilà, je la faisais. Je sais pas, le blush, il est pas mal. Quand je souris, regardez, ça fait un petit truc là, j'aime bien. Donc voilà, j'ai quand même pu mettre le mascara. Vous savez que j'ai des cils inexistants, donc ne les cherchez même pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les filles. Est-ce que j'ai relevé le défi? Est-ce que vous êtes capables de faire la même chose? Les autres youtubeuses là, hein? Chris, Julie, Gab, Barbie, blablabla, Grâce. Parce que ton nom là sur YouTube, il est compliqué pour moi. Dites-moi les filles, est-ce que vous pouvez relever le défi? Hein? Et Sangui 241, est-ce que tu peux relever le défi de te maquiller en 5 minutes? Les filles, je vous lance le défi. On y va, c'est parti. J'attends vos vidéos. N'oubliez pas de m'identifier quand vous allez relever le défi pour que je puisse voir si vous avez pu relever le défi comme moi. Parce que moi, j'ai pu relever le défi. Et donc voilà, j'ai pu relever le défi. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Celles qui ont des défis à me proposer, laissez-les en commentaire. Sinon, vous pouvez m'écrire sur mon Insta. C'est I am Zaz Diamond pour me proposer des défis. Pas les défis, bah c'est maquiller avec les mains. Je ne veux pas faire ça, c'est trop sale. Donc les filles, je vous fais plein, plein, plein de bisous et à la prochaine vidéo.